Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un trésor de grâce. Il s'agit des messes perpétuelles quotidiennes. Alors le principe, c'est que tous les jours sont offerts une messe à l'intention des personnes inscrites, donc sur le registre, qu'ils soient vivants ou morts. Alors pour ma part, je préfère inscrire des vivants. Que ce soit moi-même, des amis, des membres de ma famille ou des collègues, parce que ce sont eux qui ont vraiment besoin de grâce de conversion. Parce que par définition, quand on a été jugé digne du purgatoire, donc c'est quand même temporaire en attente du paradis, on ne peut plus mériter pour soi-même. Donc c'est pour ça que je préfère donner les grâces aux vivants qui eux doivent encore se sauver. Alors quand on est en purgatoire, on est sauvé quoi qu'il arrive. Alors cette inscription est un trésor car il faut bien prendre conscience de l'immensité d'une messe. Dieu renouvelle sa passion, autrement dit une messe peut dans l'absolu sauver toute l'humanité puisque Dieu a racheté tous les péchés de l'humanité par son sacrifice sanglant lors du calvaire. Et puisque Jésus-Christ renouvelle de manière non sanglante son sacrifice à chaque messe, voilà, par définition, il peut sauver tous les êtres humains, encore une fois. Alors certains vont me dire, mais alors pourquoi le monde est encore, pourquoi le monde n'est pas sauvé malgré tout, avec toutes les messes qui sont dites chaque jour dans le monde? Eh bien, c'est essentiellement à cause du libre arbitre de l'homme. C'est-à-dire que les hommes, la plupart des hommes ne sont pas ouverts à la grâce. La plupart sont en état de péché mortel. Alors cependant, ils peuvent tout de même obtenir de manière moins directe, mais quand même quelques grâces quand même. Dieu ne les abandonne pas. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à prier pour les pauvres pécheurs et à leur offrir des messes. Donc c'est pour ça, je vous invite à vous inscrire, à inscrire les personnes de votre choix, peu importe si elles sont ouvertes à la grâce, si elles sont en état de péché mortel ou non, peut-être les sauverez-vous, ou en tout cas, vous élèverez le monde, ça c'est sûr. Et c'est la vocation de tout chrétien de sauver les âmes. Alors je vous ai indiqué les deux adresses françaises les plus connues. Il s'agit de Sainte Rita. Donc la messe coûte 17 euros par individu, 17 euros par âme. Et il y a aussi le sanctuaire de Notre-Dame de Montlignon qui est très connu. C'est un sanctuaire international pour les âmes du purgatoire. Voilà, ça a été créé à la fin du 19e siècle, je crois. Alors là, par contre, c'est un peu cher, hein. C'est 36 euros par âme. Mais encore une fois, c'est un trésor de grâce, et cela peut être un cadeau d'anniversaire, ou un cadeau pour la fête, ou un cadeau de Noël, que sais-je. Voilà, que Dieu vous bénisse, et à bientôt.